à l'honneur dans le prime événementiel de C8 CIST Génial, CISTique de l'amour, Patrick Sébastien s'est longuement confié sur son histoire d'amour avec la chanteuse Marie Myriam. Une aventure qui aurait pu mal se terminer. Ce mardi 25 avril 2023, Patrick Sébastien était à l'honneur dans le prime événementiel de C8 CIST Génial, CISTique de l'amour. Un rendez-vous plein de bonne humeur, de surprises, mais aussi de confidences. Car l'ancien présentateur de France 2 était notamment interrogé par sa propre marionnette des Guignols. Un entretien au cours duquel il a été questionné sur sa relation avec Marie Myriam, mais qu'est-ce qu'il me ressorte, là ? A-t-il d'abord réagi, ne s'attendant pas à voir ressurgir cette histoire passée que certains, à l'instar de Cyril Hanouna, ignoraient même totalement. Patrick Sébastien, sa rupture dévastatrice avec Marie Myriam, l'animateur de 69 ans a donc expliqué, si est-il une belle histoire avec Marie Myriam. Je l'ai connue quand elle avait 20 piges, sic. J'étais son premier homme. On a eu une belle histoire d'amour et j'ai chargé parce que je m'étais attaché et elle est partie. J'ai voulu me flinguer, a révélé Patrick Sébastien avant de détailler pourquoi la rupture l'avait tant fait souffrir. J'étais en tournée avec elle, on ne se parlait plus. Et il y avait Francis Cabrel avec nous, qui chantait, Petite Marie je parle de toi, et après, je la aimais à mourir. Je lui faisais, mais ferme-la toi, a-t-il raconté, face au public amusé par cette marquante anecdote. Il nous en est resté une belle amitié fort heureusement, celui qui a récemment annoncé s'être séparé de sa compagne Nana, a su reprendre goût à la vie, non, mais c'était une belle histoire, mais on se parle et on s'appelle souvent parce que le temps a apaisé ça, a assuré Patrick Sébastien, avant de conseiller, je dis ça pour ceux qui auraient un chagrin d'amour et qui voudraient en mourir, ça ne vaut vraiment pas le coup. Le temps passe et puis ça s'efface tout ça. Nous, il nous en est resté une belle amitié. Ça a été un beau moment et si est-il pour ça que je ne me présente pas à l'Eurovision. Je ne voudrais pas qu'elle m'aime veuille si jamais je gagne, a-t-il conclu sur une note humoristique. À lire aussi ça me touche vraiment, Patrick Sébastien très ému par une surprise de sa petite fille Marie sur C8.